Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2, bien évidemment. Et je crois bien qu'on est reparti pour une bonne heure de vidéo. Donc, comme d'habitude, prenez de quoi boire et de quoi manger. Il y a eu deux best-of de sortie dans les jours à venir. Voilà pourquoi il n'y a pas eu la suite de Red Dead. Et ça m'a permis aussi de me focus un petit peu sur les lives. C'est la fin de l'année, c'est ça la magie de Noël. Pourquoi? Parce que chaque soir en live, je vous propose d'incroyables cadeaux. Et des choses vraiment cool à faire tous ensemble parce que je joue aussi avec vous pendant les lives. C'est sur ma chaîne Twitch, MrBboy45. Nous sommes repartis, on n'avait plus qu'une seule quête qui était tout simplement la maison des Grey. Aller dans la demeure, hop, voilà, hein, ça c'est mon petit côté cascadeur alors que le portail s'ouvrait calmement. Aller dans la demeure des Grey et en savoir un peu plus étant donné que c'est tout de même Dutch qui nous a dit renseigne-toi pour voir un petit peu ce qui va s'y passer. Ça risque d'être terrible, je tiens à vous le dire, tout ce qui va se passer là-haut risque d'être terrible, mais ça peut très bien tourner aussi, on va voir. Je mets une petite pièce pour dire que ça va mal tourner, j'en suis quasi persuadé. C'est parti, bonjour messieurs, vous êtes tous très beaux, très très beaux, surtout toi à droite. Mais toi, c'est vrai qu'à gauche t'as pas à pallier non plus. Hein. This here the Grey plantation? Yep. Sheriff's orders. He wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. Renseignez-vous à Caliga Hall pour en savoir plus sur les Grey. Ok, allez, on est parti. Direction donc leur demeure qui est quand même assez insane. On va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est parti, 50 nuances de Grey. C'est maintenant excellent, on adore l'humour. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Près de la réserve de bois, très bien, c'est parti, on va à la réserve de bois. J'aurais peut-être pu rentrer avec mon cheval, mon valcheux, comme on disait dans l'ancien temps. Mais écoutez, hey, j'ai fait un choix. Et oh, BG. Il s'appelle Monsieur Beau. Bogas, on y va. On y va, il est où Monsieur Beau? Monsieur Bao? Il est pas là, je peux pas courir, hein. C'est pour ça que c'est très très lent. Tout est très très lent finalement. Toujours pas courir. Il est où Monsieur Bao? Hop, évidemment, j'ai le choix entre aller à gauche ou à droite. J'ai pris le mauvais choix. On adore. Il est là! Oh, beau gosse. Monsieur s'inspire de la beauté du paysage, si je peux me permettre. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. And suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Grey, son of Tavish Grey, nephew of Lee Grey, the sheriff, grandson of old Murdo Grey. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's... like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds, seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case... I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Ok, réconstitution de Roméo et Juliette. Je peux vous le dire, ça va partir en cacahuète. Donc on a un cadeau. Mais pour cela, il va falloir se casser au manoir. Et il est où leur manoir? Oh, d'accord, il est juste en face. Ça risque d'être terrible. Ça risque littéralement d'être terrible. On va prendre le cheval.
qui s'est garé entre temps. Il a décidé d'être entièrement autonome, Tornade. Et il s'est dit, hop, voilà, on va se caler à côté. Bon, eh ben, j'ai ma réponse, on pouvait évidemment... Attention ! Putain, si je commence à tuer... Oh non. Relève-toi. Oh putain de merde. Ah, je pensais pas que cette branche était aussi rigide. Oh putain. Ok. C'était terrible. C'était terrible ce qui s'est passé. Et les gars, on le répète à personne. Ça va mon cheval. J'ai eu tellement peur pour lui. Oh, c'était terrible et incroyable à la fois. Oh mon dieu. Ok, je vais devoir pénétrer discrètement dans la demeure du gang ennemi Braithwaite, je crois. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je dis sûrement n'importe quoi. On y va, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Ah là 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 là, on est reparti pour la reconstitution de Roméo et Juliette, les gars. Ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas se voir à cause de famille, aux objectifs entièrement différents. Et dans une rivalité, l'amour vaincra peut-être. Suite. Eh ben, juste après, évidemment. On va voir si... déjà, je pense qu'il va être réceptif au cadeau. C'est un beau cadeau, hein, c'est un brassier. Il doit avoir des lobés, celui-là. Ok. Faut que je pénètre discrètement cette demeure. Et je peux pas y aller en mode je suis shérif. Mais bro. Ok, on va passer par ici. Ok. On est pas mal. Là, on y est, hein. On est dans la demeure, hein, déjà. On est dans la demeure. Je sens que ça va partir en glaoui. Je sens que ça va partir en glaoui. Ok. D'accord. C'est parti, nous sommes de nuit. Oh, dans la brume, trop bien. J'adore. Ok. Faut vraiment... Tout ça pour un peu de l'OV. Ok. Est-ce que je peux tuer les gens? Ok, je vois que dalle. Hein. Là, j'ai besoin de full concentration. Ok. Un gars à droite. J'ai peur. On va peut-être ranger le cut. Hein. Pas sûr qu'arriver avec un putain de couteau de chasse, ça soit le meilleur, la meilleure chose. You can't be here, plantation workers only. Get out. Hey, hey, I'm just a tourist. Ah. D'accord. Ok, pas le droit de tuer. Ok, je plussois, y'a pas de souci. On est reparti, on l'a refait. Pas le droit de tuer. Vous avez tué un garde, excusez-moi. On m'a dit d'être discret, on m'a pas dit de ne pas tuer. Ok. Bon, bah c'est pas grave, on est reparti, évidemment. Alors, de toute évidence, à droite, il y a quelqu'un. Oh, la brume, elle tombe. Ceci est totalement un script. Même si ça m'aide pas. Alors, les gardes voient tout aussi bien dans la brume. Hein. Il y a que moi que ça rend aveugle, apparemment. C'est très, 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 très sympa. Putain, les gars, sérieux. Si je voulais faire de l'espionnage, ça serait un let's play sur Splinter Cell ou Metal Gear, les gars, non? Passez sans vous faire voir, sans déconner. Merci l'artiste. Vous avez d'autres conseils? Ça c'est beau ça. Ça c'est une belle planque. Très belle planque. Ah, très chiant. Forcément. Elle est dans la demeure du fond. Ok. Bon. Très très bien. On va essayer de s'avancer, mais il y a le gars là-bas qui va faire demi-tour. Normalement, il est où? Il est là. On va faire un petit tour des lieux. Il y a un gars là-bas. Il y a un autre là-haut. Très bien. Ça y est, il s'est décidé à faire demi-tour. Ah, ils sont deux là-haut. Damn, Daniel. Très très chiant cette petite histoire. Là, si moi je comprends pas. Hein. Même moi, je me vois pas, les gars.
This one ain't supposed to be here. Non, mais c'est une blague. You think that fence is up for fun? Get off this property now. Hey, hey, I'm just a tourist. Braithwaite Manor, ain't it? I read about it in my pocket guide. Do you mind if I tour the grounds? You're a tourist? What, you think this is Paris, France? Get out of here! Good day, then. We don't let folk wander through this property. Come on! Bon, mais comment il a pu me voir? C'est n'importe quoi. Ah d'accord, tu... Ok, c'est bon, je rigolais. Putain, mais sérieux, quoi. Les gars, abusez pas. C'est des hautes herbes. C'est bon, il est parti, là, le monsieur. C'est un délire. Comment il a pu me voir, en vrai? Même lui, il sait même pas comment il a pu me voir. Il est pas censé pouvoir me voir, là. Ok. Vas-y, hein. Vas-y, cowboy. Ok, donc dans ces herbes-là, il me voit pas. Par contre, dans les autres là-haut, il me voit totalement. Incroyable. Incroyable. Allez. Faut partir, monsieur. Je peux assommer quelqu'un ? On va le suivre tranquillement. Je sais qu'il n'est pas prêt de se retourner. Donc ça devrait pas poser de soucis. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible. Elle va paniquer en me voyant, bah attends. Oh, c'est terrible. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Non, je ne suis pas essoufflé. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Beau. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Beau's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but... My uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... There's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated, I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Beau again, will you give this to him? Sure. Hop, la poste, hein. Ce que l'avenir vous promet, la poste vous l'apporte. Faut quitter cette zone. Sortez de la zone sans vous faire repérer. D'où Jésus? Et la zone? Ah! Je crois qu'on va y aller à la nage, les gars. Au calme. On va totalement y aller à la nage. Je peux lui péter son cheval? Oh, il y a un bateau. Incroyable. Incroyable, mais vrai. On va plutôt péter le bateau. Je leur rendrai, ça va. Et au pire, ils iront le chercher. Oh, que c'est beau. Là, par contre, c'est beau, j'aime bien. Ça fait un petit peu survival horror, tu vois. La brume comme ça. Je me tire, les gars. Je fais une maître Gims.
Dis-moi pas qu'ils ont des gardes sur l'eau, c'est pas possible. J'y croirais même pas. Allez, là. Attends, la carte. Yes. Oh putain, je crois que... Non ? Non, ça va. Allez. C'est bon. Tranquille. Normalement, pas trop de soucis là-dessus. Et c'est bientôt quitté. Hop. Voilà. On va passer par ici. Il y a quand même mon cheval là-haut. Hein. Allez, ça dégage. Est-ce qu'il va venir si je l'appelle? Impossible. Ouais, s'il entend mon sifflement, il arrive, je crois, en plus. No joke, je crois qu'il arrive. Il arrive, non? Il arrive ou pas? Je vois que dalle. Allez! Fais un effort! Tornade! Ok, on a deux quêtes. On a Beau, donc lui rendre la lettre. On va la faire, on va la continuer. Et on a... Ah non, attendez. On a B et BG. Donc on a Beau Gray et... C'est qui B? Attendez. Que de suspense dans cet épisode! Qui c'est? Ah bah c'est Bill! Bah oui, Bill souhaite vous parler. Oh, lui veut faire un braco sale. Ok, on va rendre la lettre à BG. Et 10 contre 1, il va nous demander de revenir. Ça risque d'être terrible. Ça risque d'être littéralement terrible. Hop, rien à foutre. Hein. Le tabac, c'est tabou de toute façon. Ok, on va mettre un petit point, les gars. On va prendre un raccourci parce que ça va la comédie. On se retrouve directement devant Beau Gray. A tout de suite, tout le monde. Parce que même leurs demeures sont espacées de 8 champs à peu près. C'est terrible. Allez, re tout le monde. Nous revoici dans la demeure des Gray, évidemment. On va remettre la lettre à Beau Gray qui va, je pense, nous redemander de repartir là-haut. Ah non, on me demande d'aller à droite. Attends, c'est quoi cette connerie? Attends, je garde mon cheval, mais cette fois-ci, on va pas faire les débiles. Il est parti où celui-ci? Il a encore changé de... Quelle est cette sombrerie? C'est bien sombre et sinistre par ici. Oh, c'est tellement stylé leur demeure, putain. Ok, c'est bon, c'est par ici. Allez, Gray. Hop. J'ai une réponse de Tadulciné qu'il a écrit en à peu près 1 minute 12. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take. Non, mais faut payer! Thank you, Arthur. You're... Paye! Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Non, 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 mais faut payer, gros. Monter sur le cheval. J'ai gagné 12 dollars. Super, ouais. On est content par ici. Ah là là, mais c'est terrible. Mais faut payer, putain. 12 balles, là. J'ai risqué ma vie pour 12 balles. C'est deux kebabs, mon frère, en 2018. Eh bah, je suis là. Je te suis, je te suis. Ok. Je sens mal les choses, hein. Je vous le dis honnêtement. Surtout qu'il est avec nous, ça risque d'être terrible. C'est parti. Easy boy, calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! There they are!
Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally, I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty. Mais fais pas ça, Arthur! Allez, les gilets jaunes, tous ensemble! On va bloquer des ronds-points! Oh putain, je peux pas tirer plus fort. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. À partir en couille. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. You sorry fool. Mr. Morgan, I give you the mail of the species. Well, that's a pretty dumb specimen, I grant it. A little further, please. Stop just past the bank. This spot is fine, sir. Ladies, get down! Come on! Talk to sir. Go home! Shut your mouth! What the hell is going on? Well, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cucky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me around here. What? You'll hit me? Je vais les monter en l'air. Je vais les monter en l'air. Come on, Bo. Let's go. Quick now. Allez. We gotta go before they think twice. Oh Lord. Fais vite. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. Mais oui, mais vas-y. Oh, c'est terrible. Allez. OK. Personne n'est pressé ici. Je suis le seul à hear the speeches. I ain't voted before, but
Kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you? I know about Penelope and you, and I've been here all of 10 minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. Well, Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. This is awful! Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. Mm. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Ah! Bon, il y a quand même de l'argent en jeu, c'est plutôt cool. Eh, hey, casse-toi, je vais plus te voir. Casse-toi! Ok, ça fait combien de lovés, ça? Putain de merde, 30$, c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein. Pour sauver cet amour. Aïe, 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 c'est même plutôt terrible. On va voir Bill! Ça sent le gros braquage, ça, non? Oh, putain. Non. Oh, oh, voilà, le petit bug, on adore. Eh, vous avez rien vu, les gars, hein. On va voir Bill. On est où, là? On est où? Attendez, bougez pas. Putain, mais on est chez l'adversaire! Ah, on a qui d'autre? Allez voir. Oh. On a Abigail qui souhaite nous parler. Bon, allez, en direction Bill. A tout de suite, tout le monde, devant Bill. J'espère qu'on va avoir un braquage de digne de ce nom, tout simplement. A tout de suite. Allez, nous revoici au camp. On va parler à Bill, notre ami Bill. On va voir ce qu'il a à nous dire et surtout ce qu'il a à nous proposer. Ça sent le braquage, je vais pas vous mentir. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay, I suppose. It's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing, I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan, then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a
insurance policy. Yeah, that sounds about right. Aïe, 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 y'a tout le monde qui vient me parler, ça part en couille de tous les côtés, c'est terrible. Allez, on y va, les gars. Braquage de banque, ça me plaît pas. Ça me plaît, même si ça sent pas bon pour 100 dollars. J'espère qu'ils vont me régaler. Clairement, j'espère qu'ils vont me régaler. So, tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some old Driscolls. Oh, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that point, mister. Wesh! Putain! On est en cinématique ou pas, les gars? Allez. Come on now, boy. Glad you and Lenny are along for this, Cap. Aïe, 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 en pleine cinématique! Oh, la caméra, elle regardait même pas, c'est terrible! Even Lenny can be relied on to keep his head. Not after that night you two had in Valentine. Yeah, I've been trying to forget that. What little I remember of it. You've always been a bad drunk. And before you say it, I know. Takes one to know one. Guess we'll never learn. And Bill ain't much better. So should we stop for some whiskey? How about we wait till after the bank, all right? So, how are you feeling about this, Lenny? Well, at first I thought it was a bad idea. But then I figured, they all are if you think about them long enough. Certainly have been recently. I mean, why the hell not? Roll with it. I just told them we needed you along. I appreciate the confidence, kid. And if we didn't rob this bank, we really would be slipping. Thoughts like that, and you're one of us, no doubt. Sure hope so. All right. Guess we're doing this then. So, thinking this through, you rob Cornwall's train, but shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now. And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it.
folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. Ah, là, ça sent clairement pas bon. You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. Attends. Moi, j'en ai ras le cul de me faire cramer, mon frère. Donc, croyez-moi que déjà, on va prendre ça. Ensuite, on va prendre un petit peu de pont. Ensuite, on va mettre ceci. Ça va partir en couille, c'est moi qui vous le dis. Hein. Nous sommes de retour à Valentine. J'ai payé ma dette, semble-t-il, pour rien, étant donné qu'on va braquer leur banque. Ça sent pas bon. Et les moutons ? Est-ce qu'on peut récupérer l'argent des moutons ? Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Et Strauss aussi nous a donné une dette à récupérer pendant la mission. C'était d'ailleurs assez étrange. Il est mis en mode hey, « Eh oh, t'es pas venu me parler depuis longtemps, tu me manques !» Donc, faudra aller récupérer cette dette de cet homme qui était malade et qui nous devait beaucoup d'argent. Ça sent pas bon, je le sens pas bien. Ça va partir tellement, tellement. Hello. Ok. Attachez vos ceintures. Ça va dégénérer puissance 8000. Déjà rien que la musique. Let's leave the horses here off the main drag. Ok. All right, gentlemen. Here we are. Ok. Get ready. Aïe, 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 il y a le bureau du shérif. Ok. Go to work. Of course. Alright, keep it cool and follow me, fellas. Ok. Ouais, ben restez calme, on a tous la même tenue. C'est terrible. C'est terrible. Ça va partir tellement en couille. Je vois pas comment ça peut bien se résoudre. We never decided. Is it lost little girl you want or fille perdue? Voilà, fille perdue. Who goes around with their faces? Demoiselle perdue, évidemment. I think I'd like to see the little girl lost. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Ok, ça a déjà sorti les peupons. Damn! Bon, c'est pas grave. J'y vais en akimbo, mon frère. Ok, we're going? Hold on. Wait till she's gotten real down. Would you care to? I'm with child, and it's... I don't want to go back to the workhouse. Oh, c'est tellement stylé comment il range. Go! This is a goddamn robbery! Nobody move! Get word up! Nobody move! Don't make us hurt you! Quoi? J'ai mis une patate invisible! Unlock the door! Allez, fais pas le con, Johnson. It's unlocked, we're good! Ok. Oh, you think we're here in front? Allez, casse-toi! Oh putain, c'est un beau coffre! Open the goddamn vault! Open it! Et vite! How's it going in there? Too slowly. You better get that door open right now. I'm nearly there. Too Wesh! Slow. Mais you putain, c'est un combat ou quoi ton truc? Dépêche! Mais c'est... Dépêche! Je vais bouillir là, hein. Come on. Je vais tirer une balle dans le lièvre, je crois. Ok. Allez, casse-toi, je vais plus te voir. La racaille, ça dégage. I'm in. Someone come make sure the suit behaves himself in here. Mais je suis Keblo. Come here. Open the lockboxes now. Ok, on va fouiller le tiroir, évidemment, le truc où il y a le moins de possibilités d'avoir de l'or. Bah oui, c'est clair. Now what?
Ah d'accord, je suis Keblo parce qu'il devait y avoir une animation ici. Yes. Faire sauter les coffres, forcer les coffres. Forcer. Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. You Allez. Shut the hell up and stay still. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va partir en couille, on le sait. Je prends les plus petits coffres. Quoi? Ok, un seul coffre. Fouiller. Ok. On va prendre celui du milieu. C'est beaucoup trop simple jusqu'ici. Ok. Encore un. On va fouiller. 4000 dollars, c'est plutôt pas trop mal. Jusqu'ici, j'ai été assez chateux. Ok. Si on s'en sort pas trop mal. C'est très long. Ok, c'est pas mal ça, trois coffres. Peut-être pas être trop gourmand, je sais pas. Si. Là, il y a trop de dollars. Il y a trop de dollars, ça sent pas bon. J'ai peur. Beaucoup trop de dollars, c'est impossible qu'on se casse vraiment avec tout ça. Maybe. It's never enough. Well, I'm ready to get the hell out of here whenever you are. Ok. Celui-là, on l'a fait assez rapidement. Plutôt pas trop mal. On va faire le dernier. Le jeu. Oh, putain, c'est... We gotta move. Allez. C'est un peu long là quand même, hein. Ça sent pas bon, les gars. On a, là, on doit avoir 20K. 20 putain de K dollars. Ça sent clairement pas bon. Impossible qu'on s'en sorte avec tout ça. Même séparé. Ok. Attendez, attendez. Ah merde. Je voulais grailler un truc. Ok, je peux pas courir. Faut partir, messieurs. I think. I think we're fine. Come on, I'll lead the way. Let's go. Everybody, stay calm. All of you. Non, 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 qu'est-ce que tu fais là? Count to 100. Keep your mouth shut. You understand me? Attends, 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 attends. Ils me disent que je l'ai, mais moi je le vois pas sur moi. Ah, ça doit être encore un bug, je pense. Ok. Bon, on va prendre un petit objet. Histoire de se mettre bien. Voilà. Ça sera, à mon avis, jamais trop. C'est moi qui vous le dis. Allez, hein, faut se dépêcher. Bon, je sais pas pourquoi le bandana, je l'ai plus. And look, look, over there. Je n'ai plus mon bandana sur moi, c'est terrible. Allez, on se casse à cheval, les gars. Oh la vache. Allez, go, 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 go. On se casse os. Allez. Bon, j'ai rien à foutre, hein. Je laisse mes potes tirer dessus. Si... Ah. Si par contre, il y a du monde devant, je m'en occuperai. On va où les frères?
Oh, y'a tout le monde qui tire. Ils se font pas les couilles. Ils savent même pas où ils tirent. Je suis sûr que je reçois la moitié des balles. Hop, ça dégage, hein. La racaille. Allez. Ça dégage, mon pote. Ça dégage. Ok. Regarde bien ce qui va se passer, mon pote. Là, ça va calash. Là, ça va calash. J'ai dit que ça allait calash, mon pote. Oh là là, je sais pas combien de thunes on a, mais c'est terrible. On a au moins 20k, je pense. Au moins 20k. Je sais pas comment ça a marché, comment va se répartir l'argent. Oh, bien, derrière. Ok. On recharge tout. J'ai plus que 5 balles. On va peut-être les garder, je sais pas. Ça me paraît plus judicieux. Voilà, 140 balles c'est mieux. Hop, ça dégage, hein, rien à foutre. On va où là comme ça? Mais ça va être terrible, la dette! La dette qu'on va avoir! Non, normalement je suis pas cramé, j'ai pas. Allez! Hiya! I think we lost him. Thank you, gentlemen. That was... stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. And that is the problem. Bill, this you. Is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp and make sure you ain't followed. Ouh là là, j'ai hâte de voir combien on s'est fait. Oh, j'ai tellement hâte. Allez, dis-moi. Chevaucher jusqu'au ranch. Oh putain. Bah oui, là c'est la dette à récupérer. C'est la dette à récupérer. La mission est clairement pas finie, les gars. On est toujours dans la même mission. J'ai peur. Ça sent bon pour personne. Attendez, parce que mon valcheux, tornade est pas bien. Une pomme peut-être? Tu veux peut-être une petite golden? Mange donc cette délicieuse golden. Ok. En même temps, on a tellement couru, c'est normal. Je sais pas, on sait pas combien on a d'argent, c'est terrible, j'ai envie de savoir. Combien on s'est fait de pesetas, s'il vous plaît? Dites-moi tout. Ah oui. Oh putain. Attention, hein, parce que la dernière fois que j'ai pris un arbus, ce fut terrible. On est recherché à hauteur de combien là que je tape une barre? Combien? Attendez. 5 dollars. Ça va. Ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Milou, ce branch. Attendez. Ah mais cet homme, je crois que c'était l'homme qui était malade, il me semble. C'était l'homme qui était malade et donc là il est mort, si on en croit les dires de Strauss. Et il faut donc aller récupérer auprès de la femme et de l'enfant l'argent. Sauf que la femme forcément, normalement, elle va nous en vouloir. Elle va nous dire mais attendez, vous êtes débile, vous êtes allé le voir, il est mort à cause de vous limite, tu vois. On va voir. On va voir mais clairement je vous dis ça sent pas très très bon. Et si... oh là là. Si notre argent s'affiche pas, c'est que je vais avoir tiep de la femme et du gosse et que je vais leur donner l'argent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je le sens gros comme une maison. Ça sent pas bon. My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie,
I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good, and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Ok, il va vouloir se venger. Clairement, il va vouloir se venger, le gamin. Bon, j'ai rien dit. On va enfin pouvoir savoir combien on a gagné avec la dette de Strauss et le braquage. Direction le camp. Dites-moi tout, bordel. Oh là là, butin, 20 000 $, votre part 2 750 $. C'est incroyable, j'ai vraiment 2 750 $ là sur moi. Réellement les gars, direction la cagnotte du camp. Non mais c'est trop. C'est tellement beau, on va pouvoir s'acheter de nouvelles fringues, prochain épisode, incroyable. Attendez, je vais pas lui parler. Oh la vache, on va pouvoir faire notre écurie et tout même. Attends, j'ai pas ton temps. Est-ce que j'ai vraiment cet argent? Oh, damn, Daniel! Oh. Ok, les gars, j'ai pas envie de faire de bêtises. Dites-moi où mettre cet argent et dans quoi précisément. J'ai encore quelques dettes à rembourser et je le ferai évidemment. À très vite, tout le monde. Portez-vous bien, on se retrouve pour la suite de notre prochaine aventure. Très bientôt.